Bonjour à toutes et à tous, c'est Unity, j'espère que vous portez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. On va continuer le petit héliotrope, alors si je le trouve, ta-ta-ta-ta-ta-da. Voilà, il est ici. Du coup, on va acheter des parchemins aujourd'hui. J'ai attendu quelques jours exprès pour que ça descende un petit peu les prix, donc là ça a bien descendu. Vous voyez les parchemins, ils coûtent maintenant beaucoup moins cher. Du coup... Alors, on avait fait que la sagesse, qu'on revienne dedans au niveau du personnage. Donc, il reste Vita, Force, Intel, Chance, Agi. Donc, je le rappelle, vous pouvez faire tout simplement avec des petits, puis des moyens. Enfin, c'est vrai que, en fait, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment on se parchotait, etc. Si c'était facile ou si je pouvais donner une explication. Donc, vous pouvez tout simplement... D'ailleurs, le prix des parchemins de sort restait globalement similaire, on va dire. Vous pouvez prendre 25 petits, donc vous regardez le prix. Bon là en l'occurrence c'est beaucoup trop cher. 124 000 ça fait un peu cher quand même. Ça se trouve je dis ça mais en fait les prix vont être complètement abusés et il n'y aura pas assez pour se parchoter. Donc il m'en faut 25 petits. Tac. En fait on peut appuyer sur entrée. Hop. Alors, en tout cas j'espère que vous ça va. Hier soir je devais sortir le duotage fouettard. Mais on n'a pas réussi à le finir à temps. Donc voilà. Je pense qu'il arrivera bientôt, ne vous inquiétez pas. On le tente toujours. Donc j'ai les petits parchemins d'Agi. Donc les petits d'Intel ils sont à 7800. Et les parchemins d'Intel. Ouf, ils sont hyper chers. Elle est puissante. Les puissants sont moins chers que les parchemins normaux. C'est vraiment ridicule quoi. Donc on va prendre. Tac. On va en prendre 25, s'il y en a 25 hein, bien sûr. Ce sera moins cher comme ça. Tac 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 tac. Ils sont quasiment à 8000. Si ça monte encore, je pense que je vais les prendre par 10 pour être sûr. Voilà. Tac. Voilà, donc on a les 25, on prend les petits parchots d'eau. Avant ça coûtait vraiment rien, mais vraiment que dalle. 90 000, et les parchemins normaux ils sont à combien? Oula, voilà. Alors attendez, petits parchemins ils sont à 90. Parchemins et les grands, les puissants pardon. Ça fait 60, mais en fait c'est beaucoup moins cher. Ridicule, vraiment ridicule quoi. Parce que là ça fait le petit parchemin. Ça fait 20 000 les deux. Donc là on est d'accord. Et là, attendez, ils sont à combien les puissants? 100 000, c'est un peu cher. Mais les parchemins normaux sont hyper chers quoi. Les grands, 25 000. C'est vachement bizarre ça. Ouais, je trouve ça vachement bizarre. Ils se font spammer là. Ils se font spammer. Il y a quelqu'un qui les achète en même temps en fait. Et du coup, j'hésite à les acheter. Alors, on va continuer quand même. Hop, on y est presque. Ah, en fait, non, il doit les mettre en fait. Ah! En fait, il y a quelqu'un qu'on achète en même temps qu'on vend. Enfin, n'importe quoi. Tac. Voilà. Donc, on a les 25. On va faire chaque parchemin petit par petit. Ensuite, on va prendre les petits forces. Donc, 70 000. Les parchemins normaux sont à. Ouais, ils sont chers, mais ça va. 70 000. Ah, 170 000. Là, c'est pas pareil quand même. C'est pas la même sauce. Et les parchemins sont à 15 000. Ils sont quasiment au même prix, quoi. Bon, on va quand même prendre moins cher pour l'instant. S'il y en a 20... S'il y en a 15, pardon. Tac. Allez, on est presque. Il restera les vitalités. Comme ça, ça vous montrera en même temps comment ça se passe. Bon, c'est pas grave si c'est plus cher. Comme ça, j'aurai classé par petit. Il manque les petits parchemins de vitalité. Qui sont. Oula, non. Qui sont à 12 000 unités et les parchemins de vitalité normaux sont à. Oups, 78 000. C'est très cher.
très très cher vu que les puissances sont à 93. Eh bien, vraiment étrange. Donc c'est parti, on va acheter tout ça, il m'en faut 25. Tac. Hop 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 hop. Donc on va faire deux petites parties dans cette vidéo. La première où on parshot, comme ça vous voyez bien comment on parshot de A à Z. Enfin, vous avez vu la sagesse et ça vous fera voir un petit peu les autres éléments. Et ensuite on fera donc un peu d'expérience, un peu d'XP, ce qui sera pas trop mal. Alors, donc on a tous les 25. Ensuite il nous faut donc les moyens. Donc café, on va classer les petits déjà. Alors, non c'est pas ce que je voulais faire. J'ai toujours pas monté de sort d'ailleurs. On les montera ensemble. Alors, les petits. Je sais pas trop si je les mets comme ça. Ouais, je pense que je vais faire de l'écart un peu. Non. Plutôt dans ce sens-là alors. Hop, hop. Hop, et hop. Voilà. Du coup, bah là, on pourrait techniquement se parchoter. On va continuer de les acheter quand même. Alors. Tac. Il nous faut maintenant, on a 25 de chaque. Il nous faut... Alors on va regarder le prix des parchemins normaux de chaque maintenant. Parchemins de force, ils sont à 30 000. Et les puissants sont à... Oh putain, ils sont moins chers les puissants. Donc on va prendre des puissants. Hein. Je crois qu'on va prendre... que des puissants, ce sera beaucoup moins cher. C'est ridicule quand même d'avoir moins cher. Donc on est à 25. Donc 25, il nous en faut 76. Donc 38, logiquement. Vu que 40, ça ferait 80. Tac, donc il nous en faut 38. Tac, 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 tac. Ça va, hein, c'est pas trop cher, hein, franchement. J'ai vu beaucoup plus cher hein, comme parcho. D'ailleurs, on les a vus ensemble la dernière fois. On arrive quasiment, à mon avis, au maximum du prix. Je sais pas si c'est encore rentable, mais bon, de toute façon, vu qu'on a commencé comme ça. Hop, on y est presque, plus que 4. 38. Donc voilà. On est d'accord que ça fait 76. Donc on va regarder les puissants parchemins de vitalité qui sont à 100 000. Donc 50 000, ça fait le point. On va voir si les parchemins de vitalité, ouais, ils sont plus chers. Et les grands, ils sont à... Et ouais, c'est quand même moins cher de prendre des puissants, quoi. Donc là, il nous en faut 38 aussi. Tac. Et on va essayer d'en acheter 8 comme ça. 3, 4, 5, 6... 7 et 8. J'ai l'impression qu'on va faire tout comme ça les amis hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors il nous manque les puissants parchemins de chance. Ils sont à donc on va dire 55 000 à peu près unités. On va voir les parchemins ils sont à combien, 70. Et les grands ils sont... Oh là 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 là. Encore plus intéressant de prendre des puissants quoi. C'est dingue hein. Vraiment c'est dingue hein. Allez on est parti, il nous en faut 38 aussi. Parce qu'en fait, les puissants donnent 2 points. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 2 points, ça vous fait... en fait, ça vous donne le double d'un parchemin qui soit petit, normal ou grand. Ça vous donne le double. Alors, 114, ouais, ils sont à peu près pareils. Donc maintenant, on va prendre 3 comme ça. En espérant que je puisse encore en prendre un et un autre. Et ensuite, on va prendre 1. Et 2, on aura nos 38. Donc il nous manque Agi et Intel. Intel, ils sont pas très chers. On va voir les parchemins normaux à combien ils sont. Ouf là là, oui, j'avais vu tout à l'heure en plus. Oh, tristesse quoi. Ouais. Les grands sont aussi chers que les puissants. C'est quand même dingue ça. Hein. Ça, j'avoue, je vous avouerai que j'ai vraiment du mal à comprendre. 3. Et après, 1. Ouais, j'aurais été sûr que ça allait augmenter. Oh là 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 là. 36, 37 et 38. Et il nous manque que les agis. Hop, alors les puissants, les petits on les a déjà achetés. Ils sont à 42 000. Et les puissants sont à... Ah, ils coûtent moins cher les parchemins normaux. Donc là on va pouvoir les prendre.
Ça fait 90. Et ceux-là sont plus chers. Donc on va prendre de 5. On va voir si on a déjà plus. 4, 5 qui sont à 43 000. On peut essayer d'en prendre encore. Ouais. 44. J'ai un peu peur que ça augmente parce qu'il nous en faut 5. Tac, tac. Non. Pas encore. Tac et... Tac, 25. Donc 25 et 25, on est à 50. Et il nous faut bah, 25 puissants. Voilà. Donc on va voir si on peut acheter les 5. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de les acheter. Non, tac. 5 et 10. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup? On a la J. Alors je vais regarder une seconde. Je crois que c'est la vitalité. Ouais, c'est la vitalité. Puissant de parchemin de vitalité. Non, la vitalité est faite. Ça a l'air d'être bon. On va regarder. On va regarder. On va toujours commencer donc par. Donc on va mettre les vitalités ici. On va mettre les parchemins de force ici. On va mettre les grandes chances ici. Et pour la J, c'est les seuls. Tac. Et après les puissants. Qui aura juste après. Donc déjà, on va essayer. On va regarder ensemble ce que ça donne. Donc on va prendre les 25 vita. Je sais pas si on va regarder mieux avec le détail, ce sera peut-être plus intéressant. Ensuite, on continue sur les 25 forces. Alors, donc je les mets dans les cases en bas pour les faire tout simplement avec les touches. Ce sera beaucoup plus pratique. Tac. On continue sur les intels. On arrive à bientôt 25 partout. Il nous reste que l'agilité. Qui nous montre l'initiative aussi, c'est vrai. Et on va arriver à 25 partout. Voilà, donc on est à 25 partout. Maintenant, on va faire un pas. On va prendre la vitalité. Normalement, ça devrait être ok. On devrait avoir tout pareil. Tout nickel. Il nous reste 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. 100. Yes. C'est parfait. Tac. 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 Ensuite, on continue sur le 2. Normalement, ça devrait être nickel. Comme ça, on aura les 100 de force partout. Et recoucou tout le monde. Du coup, il y a eu un méga bug de l'infini. En fait, j'ai tellement spammé les touches que ça m'a fait déconnecter du serveur. Très bien. Très bonne chose. Du coup, on continue avec les hauts. Vraiment n'importe quoi. Alors. Normalement, ça devrait le faire. Tac. Ensuite, feu. On continue sur la bonne lancée. On est bien là. On est nickel. On n'en a pas acheté en trop. Et on s'approche bah, du pare-chaudage partout 101. Hein. Il nous reste 3, 2, 1. Et on a les 100. Du coup, 25. On va vérifier que c'est bien les petits. Enfin, les petits. Les moyens. Normalement, on devrait arriver à 50. Et hop. Et il nous reste 50 puissants. Et on arrivera à 50. 100, pardon. Donc 50 de plus. Logiquement, on devrait y être. Voilà! Superbe! Le petit héliotrope pare-shoté 100 partout. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est joli. Ça fait plaisir. On se retrouve du coup tout de suite pour la partie XP. Et recoucou tout le monde. Du coup, on est parti pour faire à la fois des petits succès, puis à la fois tout simplement XP le petit héliotrope. Du coup, alors. Normalement, c'est. Oula. Normalement, ça devrait être mort. Non, il ne meurt pas. Avec une flammiche, normalement, il devrait mourir. Et du coup, j'ai pas grand-chose à faire. Parce qu'il faut faire chrono, il faut. Bon, il faut faire plein de choses. Voilà. Bon, il se fait taper, c'est pas grave. Blitzkrieg et je sais plus si c'est Hardy ou autre chose. On va se débrouiller. On va se débrouiller.
Bon, Blitzkrieg, il y aura pas trop de problèmes, je pense, à ce niveau-là. De toute façon, je pense que je vais tuer l'héliotrope. Comme ça, ce sera aussi simple. Que là, il va pas bouger dans tous les cas. On va faire un petit coup de cac. On espère qu'il meurt. Il meurt pas. Là, il meurt. Et on va se TP. Ici. Voilà. On va se coller à lui. Gentiment par ici. Je crois qu'il cope aussi les sapins. Enfin, ils font un truc comme ça. Oula, je vais y arriver. Hop là. Donc, on va se coller tranquillement. On reste là. Alors. 1200, 1200. Ouais. On pourrait poser une glyphe. 500, 500. Est-ce que je le finis en crit? Ouh, c'est risqué, ça, c'est très risqué. C'est très très risqué ce que j'ai fait. On va faire ça. Et ça. Et on va se préparer pour le prochain tour. Et au prochain tour, je pourrais limite le tuer sans problème. On va voir. Il m'enlève des crits, ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, nickel. C'est parfait. Alors. Il faut lui faire du 1200. Ah oui, il a passé mon tour, tout à fait. Bon, j'ai passé mon tour. Ah mais non, d'accord, c'est qu'il jouait juste après. Ça devrait le faire. Et un coup critique, s'il vous plaît. Voilà. Même sans coup critique, ça passe. Du coup, on a fait tous les petits succès. Le mythe du donjon, Sapik Blitzkrieg, Hardy. Donc j'avais bien raison, c'était bien Hardy. Et l'héliotrope à XP level 46. Du coup, le mythe du donjon, ce qui nous fait les petits succès. Parce que je fais, voilà, en même temps les succès de Noël. Donc ça, c'est nickel. On va aller faire premier et statue au Papa Noël. Ensuite, on ira faire le fouettard un peu plus tard. Parce que là, il faudrait qu'on le fasse en team. Et d'un nom de la farce, c'est quand on a tout, d'accord. Vaincre les monstres suivants en réussissant un challenge. D'accord, donc ça, on va pouvoir le faire. Ouais, bon, on va les faire petit à petit. On va essayer de faire un peu tout. Faire les monstres suivants en réussissant un challenge. Gluglubur, Rodolphe. Ah ouais, mais ça, je les ai fait il y a tellement longtemps. Oh là là, quand le Hurledent est arrivé. Toutes ces quêtes aussi. Faire des cadeaux. Ouvrir 100 cadeaux. Ouvrir 1000 cadeaux de Noël. Cadeau des Wawa Mages. Très bien. Manger des friandises suivants. Bon, ça c'est pas trop difficile jusque là. Et après, ok. Et il faudrait que je fasse le deuxième. J'ai fait le premier et le dernier. Des Minotoboules. Et à la fin, il y a l'ornement flocon. L'ornement flocon, non. Flocon imposant. Ouais, bah, pourquoi pas. Je vais aller faire directement le Papa Noël, et puis on se dit à tout de suite, les amis. Et re-coucou tout le monde. Du coup, on est parti pour Mister Papa Noël. Let's go. Mister Papa Noël, on va essayer de faire full succès en ayant uniquement Fécat et Héliotrope. Donc, je sais que c'est plutôt compliqué, mais il manque les succès sur la Fécat. J'en suis à 5-6 tentatives. Il y a toujours un dernier petit truc qui bloque. Et c'est vrai que bah des fois ça pose problème. Mais on va essayer en tout cas. C'est parti. Donc on va faire ça, ça, let's go. Il faut le tuer en premier. Donc rester au même endroit avec statue, chrono, donc en moins de 9 tours. Enfin, tout un truc qui est vraiment plutôt compliqué. Alors ça, ça me dérange pas trop. Du moment que je le tue, il faut que je le tue à la flamiche en fait. Vous allez voir, je sais pas si je le tacle. Il faut que je fasse au moins un crit, c'est ça le problème. Voilà. Donc là on est dans le crit, on est bon. Je pense qu'on va tout de suite se lancer dedans. Je pense qu'on va tout de suite faire un bon coup de crit. Non, peut-être. Dans ce cas-là, une case à gauche alors. Pour les empêcher de trop s'approcher. Un seul PM. Pas fou, mais toujours utile. Tac. Moins 3 PM. Ouh, ça c'est bien ça. Donc on va faire.
Tac, hop là. Donc là, on reste tranquille. Bien joué, ça. Tant qu'il reste à distance. Moins 3 PM, ça c'est vraiment nickel. Hein. Ça c'est vraiment nickel. Donc là, ben, on va vraiment pas s'arrêter. On va faire ça, ça et ça. Allez, on tape là, aucun respect pour mon adversaire. On reste comme ça. Ils viennent pas trop nous embêter là, c'est bien. Hein. Il se prend quand même beaucoup de dégâts, je trouve. Ouais. Alors attendez. Tac, libération. Tac. Et il devrait mourir. Il devrait mourir. Il devrait mourir en premier. Donc ça c'est vraiment top. Je ne peux pas encore bouger. Non c'est bon, je reste comme ça. Yes, il est mort. Donc on l'a fait en premier directement. Alors là on va surenchaîner. Donc là, lui, il faut l'immobiliser de manière très rapide parce que sinon, ça va être insupportable. Tac, on va faire ça. Et donc ça, il faut le tuer, il faut le tuer. Oh là là, il va venir entre nous deux. C'est bon, on va rester comme ça. Donc s'il vient entre les deux. Bon, il pouvait aussi faire ça. Alors. Non, je réfléchis parce qu'en fait, je suis désolé si je parle pas beaucoup, mais vraiment, je sais pas trop comment m'y prendre parce que je peux plus vraiment taper. Je peux faire ça, mais... Voilà. Il est pas mort, lui, encore ? Bon, l'héliotrope survit. Et lui, il lui reste combien de points de vie ? C'est aussi ça que c'est important. Alors, lui, il est mort dans tous les cas. Lui, il va mourir. Là, il faudrait vraiment les tuer. Et lui, il lui reste 717 points de vie. Je ne peux rien faire. Et il ne meurt pas, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Et lui, il se prend combien? Alors, il reste le prochain tour. Alors, il craint quoi, lui? Donc, lui, là-bas. Je pense qu'on va faire ça. On va jouer de tout pour le tout. Oh, putain. Une bulle. Une bulle, je peux pas. D'accord, très bien. Oh là là, c'est une blague, je le tuerai avec lui. C'est chaud patate. Et en fait, je sais même pas si je vais pouvoir le tuer. Oh, j'ai plus de PO. Et non, j'aurais pu faire comme ça, tout à fait. J'ai pas de flamiche. Très bien. Non. Tant pis, je sais pas s'il va venir. Ouh. Le stress de l'infini.
Est-ce que ça passe? Alors là. Yes! Oh là 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 là! Oh, cette chance! Cette chance! Alors sur la fin, j'avais même pas flamiche. Enfin, je sais pas comment c'est passé, mais merde quoi! Il est level 55. Oh les enfants, les amis, le stress! Oh! Bon! Du coup, j'ai réussi. Non, mais j'étais tellement concentré sur la fin. J'étais là, putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, bah, c'est réussi. C'est réussi. Et ça fait beaucoup d'XP et beaucoup de cadeaux. Très bien. On va voir du côté. Il est level 56. Il a up. On va accepter tous les petits succès ensemble, hein, du coup. 57, 58, 59. Bientôt 60. Et est-ce qu'on a droppé quelques cadeaux? Je pense que oui. Bon, des légers cadeaux, mais. Incroyable. Et des Noël surpuissants. Et cadeau de Noël. Bon, on va regarder un petit peu, on va les ouvrir ensemble. Même si c'est pas fou, hein, bien sûr. C'est pour le plaisir de les ouvrir. Des bonbons. Des cadeaux. J'ai envie limite de tous les ouvrir sur... Hop là, un succès. Ah ouais, il y a des succès, c'est vrai. Alors. Tailleur... Bon, quelques petits cadeaux, quelques petits bonbons et tout. Rien de bien fou, parchemin d'ivoire, très bien. On va essayer du coup de faire ça avec la F4 maintenant. Je sais pas si je les avais mis en cadeau. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça? Surpuissant, est-ce que c'est les mêmes au moins? Noël incroyable, voilà, et surpuissant. Au pire, je vais les donner à l'héliotrope. C'est pas ce que je voulais faire. Tac. Donc en fait les amis, vous voyez, moi je suis vraiment pas un fan du farming intensif, genre où je vais faire tout simplement 1000 captures. Je veux dire, c'est normal que je les fasse, voilà, de temps en temps pour XP le plus rapidement possible. Mais j'aime bien aussi avoir bah, un peu de je sais pas comment le dire, de plaisir à jouer, on va dire, de faire des trucs à côté bien sympathiques, où on prend plaisir à jouer, voilà, des petits succès comme ça, rien, voilà, rien de fou, hein, vraiment, juste plaisir. Et ben voilà, du coup, oula, j'ai droppé un un gros boulet. Et bien voilà, c'est chose faite, du coup, c'est fini pour les petits donjons. Oh là là, quelle chance sur la fin, oh, vraiment. Oh là là là. Non mais je suis vraiment content parce que c'est un succès qui est pas facile. Je vous mets au défi de le faire en solo. Parce que bon bah l'héliotrope est là mais il sert pas à grand chose quoi. Du coup voilà. Et ouais, c'était plutôt sympa. Alors qu'est-ce que j'ai droppé d'intéressant? Brioche dorée. Ouais. Pas grand chose. Un grand parchemin de sagesse, ça c'est pas mal. Quelques petits trucs, des petits parchemins, des feux d'artifice, des trucs comme ça. Rien de bien fou, mais bon. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir des cadeaux, hein. Moi je trouve ça marrant. Une pierre de diamant, argent, d'accord. Les ressources ont vraiment changé au niveau du design, c'est impressionnant. Hein. Le null mort, non, il n'a pas changé. Que de mulou non plus. Mais voilà, petit à petit, en fait, ils refont toutes les ressources, et c'est vrai que là, ça fait bizarre, hein. Moi j'ai ça fait bizarre, je trouve. L'ambre est toujours similaire, le carré de porc aussi, mais voilà, fémur de chaffer c'était pas du tout comme ça, le gros boulet c'était plus ou moins comme ça, silex aussi, feuille de branche soignante aussi, comme c'est arrivé tard dans le jeu, soulier aussi, mais bon voilà quoi, regardez, la peau de canigrou, j'avais jamais vu ça, corne de bouffe cool, j'avais jamais vu ça, enfin je veux dire au niveau du design. Le cuir de dragon cochon, là, j'ai jamais vu ça. Enfin, voilà. Bon, écoutez, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour ma petite concentration sur la fin, mais je voulais vraiment le réussir. Et bon, en tout cas, voilà, l'héliotrope avance, bientôt 60. On y va tranquillement. J'y vais avec vous tranquillement, dans le sens où je veux que vous voyez l'évolution du personnage en même temps que moi. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, et que ça vous fait plaisir de voir le petit héliotrope monter tranquillement. Bientôt level 60, bientôt... Donc la possibilité de mettre une drague aux dindes. Mais bon, comme je le rappelle, je voulais le monter level 154, un truc comme ça. Et donc on y va tranquillement, on fera des captures plus tard. Là, histoire de
prendre plaisir à jouer, voilà, faire les succès en même temps, s'amuser. Voilà, l'idée c'est vraiment prendre plaisir à jouer, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire ça, et c'est vrai que Dofus, enfin je veux dire, quand on XP un personnage, on n'a pas souvent le temps de, et l'envie de prendre du plaisir en même temps de jouer parce qu'on veut monter son perso. Faut pas oublier que enfin Dofus c'est essentiellement pour s'amuser, pour prendre du plaisir, donc faut pas l'oublier. Voilà, parce que quand je vois les mecs monter level 200 en 6 heures, moi j'éprouve pas vraiment du plaisir à faire ça. Enfin, chacun son truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Profitez bien de votre dernière semaine de cours ou de travail avant les vacances pour certains. Et puis pour ceux qui continuent à travailler, bon courage. Moi, j'ai plus cours, mais par contre, j'ai toujours du boulot. Normal. Merci à vous. En tout cas, bon courage. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bye bye!